lobaka oyo esalaka puissance abele eza ntango akendaki pa bato alobi bogangangai yo oyo nazotya ndenge mpe biso toza awa ntango tozoyemba ntango bozoganga tozokwesa mpe banguna na bino ntango bozoganga malédiction mpe ezokweya ntango bozoganga zamba azosala makambo minene soko bandi koganga zamba azosala ngo soko bandi koganga zamba azokomola soko bandi koganga makambo nyonso ezokweya Oh,
moment que nous voulons passer à la parole de Dieu, le message que l'Éternel a prévu pour toi ce matin, qui vous sera transmis par un homme de Dieu, je suis toujours sûr de lui. Il a un Dieu de miracles. Ouais. Si tu le croyais, tu devrais dire amen. Amen. C'est un homme de Dieu puissant. Dieu a déversé sur lui une grande onction. Une onction de miracles. C'est pour cela. Je ne perds pas le temps. J'invite du haut de cette chair le révérend évangéliste Claude Kabundi. Walesa, on acclame très fort pour Jésus. Bandeko banazambe avana bandeko teya nazo pese bino message na utina zamba esika na bandeko sambela Saint-Esprit ayebi singa makambo pona ebisa bino. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne puisse prêcher, je vais vous donner le message. J'étais à la montagne, ce que Dieu m'a dit de vous dire. Zamba sole kisanga ayebi kabundi ozan ministre ya défense na gouvernement de Jésus-Christ na solinga nana kisayo makambo zo salema na kacha mboka. Dieu m'a dit, Kabundi, tu es le ministre de la défense du gouvernement de Jésus-Christ. Je veux te révéler des choses qui se passent à Kinshasa, dans le pays, dans les jours à venir. Il m'a dit, regarde. J'ai vu un grand temple. Et qui avait des fentes. Il y avait des trous. J'ai vu une statue. La porte et la tente. À l'entrée de la tente. La moni ekeko. J'ai vu une statue. Na estrade et sika ba sotela. Sur le podium là où on prêche. Ça me soit bien boyé. Dieu me dit ce qui suit. Kabundi. Kabundi. Ba serviteur rebelle, ba simbi ba kisi. Plusieurs serviteurs ont touché les fétiches. Ba soit tanga komo na nga. Ils citent mon nom. Mais, bah, simbi bah, mais ils ont touché les fétiches. Amen. Amen. Kabundi, yebisa ba serviteur nyoso. Ya Congo, pena mokili mobimba. Kabundi, lève-toi, annonce ce qui suit aux serviteurs du Congo et de tout le monde entier. Qu'en 2014. Qu'en 2014. Zamba pesi bango 6 mois. Dieu leur a donné 6 mois. Ceux qui vont se repentir, s'ils ne se repentent pas, et qu'ils vont faire le commerce dans le combat Jésus-Christ, et qu'ils font le commerce au nom de Jésus-Christ, nombreux ont touché aux puissances occultes. Ils font démonstration. Ils font des démonstrations pour envoûter les gens. Ils sont les serviteurs à Satan. Ils sont les serviteurs du diable. Trop, c'est trop. Dieu a dit trop, c'est trop. En 2014. En 2014. À partir de janvier. À partir du mois de janvier. Jusqu'au juin. Ouais, jusqu'au mois de juin. Ceux qui vont se repentir. S'ils ne se repentent pas. Plusieurs vont mourir. Plusieurs verront des choses plus grandes qu'ils n'ont jamais vues. Dieu m'a donné un passage. Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 8. Chapitre 8. 5 à 12. 5 à 12. Tant que vous interprétez, vous avez dit que vous avez dit très bien. Ézéchiel, chapitre 8. 5 à 12. Vous avez versé un message aux Abarakis. Nous lisons le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, du verset 5 au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de Septarion. J'ai levé les yeux du côté de Septarion. Et voici, cette idole de la jalousie était au Septarion de la porte de l'autel à l'entrée.
Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici. Il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes sur la muraille tout autour. Étaient peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël. Au milieu desquels était Jazania. Fils de Shaphan se tenait devant ses idoles. Chacun l'encensoir à la main. Et il se levait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Amen. Nous avons 50%, 60%. J'aimerais vous dire que 50 à 60% des serviteurs de Dieu ont touché au fétiche. Et bango 6 mois, nous avons baboy au nom de Jésus en tant que ministre de défense. Nous bango 6 mois, ceux qui va se repentir, pour comment ma kamoko salema awa na mboka tina mboka mipaya tina poto et salemi mokili mobimba et zali mouvement ebimi batwe bele ba simbi bakisi baso travaille baso tanga comme Jésus mais baso sa ba démonstration satanique. En ma qualité de ministre de la Défense, je dis, il leur a donné 6 mois. S'ils ne se répandent pas, vous allez ce qui va se passer ici au pays et partout dans le monde. Ils ont touché au fétiche et de grandes choses vont se faire. Dieu a encore donné le livre de Jérémie. A possibilité, Zela Mibale, Zela Bomoy, Zela Niwa, ceux qui m'ont poni Zela mon côté. Mais ceux qui m'apprennent, c'est là pour moi. Ils se repentir, ils sont dans Zambé. Parce que Zali est là comme on Zamba. Ils sont là comme on comme Jésus. Ils sont dans la Bible. Mais ils sont dans le démon. Ils sont dans Zambé. Dieu a placé devant eux deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il leur conseille de suivre le chemin de la vie. S'ils ne suivent pas, ils vont embrasser le chemin de la mort. Et ils vont mourir. Lève ta main. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu seras conduit par un féticheur. Tu crois que tu es un Dieu. Dieu, ouvre-nous les yeux. Très bien. Dieu m'a montré nos prières, allez-le. Dans la prière d'aujourd'hui, j'ai vu une grande pluie. Quand cette pluie est tombée, c'est transformé en champignons. Il y avait des champignons dans mon corps. Dieu m'a dit, je vais bénir beaucoup de gens. Il m'a dit en 2013, je vais bénir beaucoup de gens. Mais regarde.
que les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils vont faire des fêtes en bonne année. Ils font cette fête à leur manière, pas à ma manière. Ils font la ils s'enivrent de la ils s'enivrent. Ils font du n'importe quoi. Satan a profité. Le diable profite. Ils leur arrachent toutes les bénédictions qu'ils ont prises. Dieu m'a donné le passage. Ésaïe 1, 14. Ésaïe chapitre 1, verset 14. Nous lisons Ésaïe chapitre 1, le verset 14. La Bible dit ce qui suit. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme est haïr vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de le supporter. Le Saint-Esprit m'a dit ce qui suit. Kabundi. Beaucoup de mes enfants seront bénis aujourd'hui. Qu'ils fassent attention de leur fête. Basala ba fête na ndenge na ngai ba fête ba fête na ndenge ya bien na bana na yo atabo sangani posali ba fête na ndenge ya zambe solo ya nzambe lele komi na ba mariage chrétienne mariage abana nzambe okomona misike zometa batu bazomela masanga na mariage abana nzambe saba solo ba bokeba atabino bazoso ba mariage na kacha mariage ba lokaka batu mais ceux qui ont sambe la tête ba kozo li pamboli na yo na kacha fête parce que na kacha fête. Kabundi dit à mes enfants qu'ils aillent faire la fête à ma manière et non à leur manière. Il est désolant de voir que même aujourd'hui, dans les mariages des enfants de Dieu, il y a des choses qui se font qui ne plaisent pas à Dieu, pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté des hommes. Dieu m'a dit ce qui suit. Il y a des gens qui sont en train de réunir. Les gens qui sont dans les sens occultes. Et ceux qui prêchent et qui se prostituent. Ceux qui aiment beaucoup l'argent. Pour soutirer l'argent de fidèles. Message de sanctification. Quand ils me voient venir avec le message de la sanctification. J'attaque les occultistes. Ils se disent ce qui suit. Le Saint-Esprit m'a dit. Ils sont en réunion. Il y en a d'autres qui sont parmi nous. Pour qu'ils entendent ce que je veux dire. Il faut qu'on banga l'État. Mais j'attaque. Tu as un mot de sens occulte. Et que ce monde s'est passé. Tu as attaqué. Pendant que mon ensemble. Pour mon changement. Ils sont là nombreux au milieu de vous. Ils sont venus écouter ce que je veux dire. Pour que quand je vais parler, qu'ils disent que moi j'ai attaqué l'État. Mais Dieu m'a dit, tu dois craindre l'État, mais je dois parler. S'il y a quelqu'un qui fait ces choses dans les puissances occultes, je vais attaquer. Pour continuer ce outil ensemble. Tout pouvoir qui vient de Dieu. Il faut tout ça pour construire ça. Nous devons respecter ce pouvoir. Zamba pesinga bakanda ya Luc 20:26 pour na complot o basala ki wan basala ki ngo pe Jésus tokotanga bakanda suka Luc 20:26 pour na problème zo ta la piège o basoni nga batela nga piège de façon boko nganga boko zo ngate nga zo sona Saint-Esprit boko zo nga yi te Luc chapitre 20 verset 20 au verset 26. Moi je vais parler, vous m'avez tendu un piège pour qu'on puisse m'arrêter. Je vous dis, je marche avec le Saint-Esprit. Vous ne m'arrêterez jamais. Amen.
Tanga. Nous lisons au nom de Jésus. Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes. Pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui firent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple. Mais étonné de sa réponse, ils gardèrent silence. Parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Je dis ce qui est au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes là pour soutenir l'État. Au niveau spirituel. Sur le plan spirituel. Ce qui est un peu plus infiltré dans l'État. Et que basan à toi ça se culte. N'engue ce comme ce qu'on est neti banguba. Dans ma société, dans ma place, nous il faut battre adhérer. Battre baso trahir et moka. Pendant qu'on comme à toi ça se culte. Tous on va boyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi quoi attaquer. Et que tout le monde, voyez bien qu'on trahir et moka. Asana ba kisinaye. Toi quoi ça la prière pour baso adhérer. Bako soit jaré. Attends ma pasteur, on va continuer à me dire quoi ici. Bako soit jaré. Au nom de Jésus. Passe mon ingambate. Salut ton voisin, ta voisine. Je me sens qu'on salue au résine. Ici, on a eu problème déjà ensemble. Dis-lui si tu es occultiste, tu as déjà des problèmes avec Dieu. Tout n'est pas ça, n'a qui si place on appelle ça. Pose-lui la question si elle fait ce qu'il te le donne. Pessembote. Salut-le. Tout ne sait pas ça, n'a qui doki. Demande-lui s'il a la sorcellerie. Ah, on va s'engager à côté. Ah, on va s'engager. Dis-lui ici, on ne se moque pas de Dieu. Si tu es sorcier, tu vas tomber. Tiens, le bon Nicolas. Lève ta main. Le bon Vanessa. Tu vas laisser. Mais c'est le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais c'est la qui doki. Je n'ai pas la sorcellerie. Mais c'est la qui doki. Allons là. J'ai la sorcellerie du ciel. Pessembote. Salut ton voisin. C'est un courage. Dis-lui, sois courageux. Salaboye. Fais ceci. La kisa qui chasse Mobima. Montre à Toukine. Loba 2014. Dis 2014. Makamwe Sigezo Banda. Des choses nouvelles commencent. Makamwe Sigezo Banda. Des choses nouvelles commencent. Montre Ezo Kita. Le feu descend. Jugement Ezo Kwaya. Le jugement tombe. Ah!